Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, mercredi 10 août 2016, je vais tester les environnements de bureau, à savoir leur temps de chargement depuis l'écran de connexion jusqu'au bureau et la mémoire RAM utilisée par ces derniers. Pour ce faire, j'ai installé une Fedora 64 bits en version 24 grâce à l'image ISO installation, enfin Fedora serveur. Donc sans interface graphique, j'ai installé le métapaquet environnement de bureau standard. J'ai installé également LightDM comme gestionnaire de connexion. L'environnement de bureau standard m'a offert la possibilité d'utiliser OpenBox Awesome. Et j'ai installé à la main GNOME Shell, Plasma Desktop, Cinnamon, Mate Desktop, XFCE, LXDE Common, LXQT et Fluxbox. Donc, tous ces environnements de bureau vont passer à la caisse. À chaque fois que je testerai un environnement de bureau, je redémarrerai la machine virtuelle pour éviter qu'il y ait des résidus en cache dans la mémoire et que le test soit équitable quel que soit l'environnement de bureau testé. C'est parti. Je précise juste que, au passage, chaque environnement de bureau que je vais vous présenter a été lancé au moins une fois pour que les fichiers de configuration soient créés sur la machine et que la machine virtuelle est installée sur un disque dur virtuel SSD. Enfin, un disque dur virtuel qui est installé, qui est positionné sur mon disque SSD. Donc, on va commencer par GNOME Shell. GNOME Shell qui, sous Fedora, est livré en version 3.20.2. Donc GNOME Shell, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 secondes pour le chargement de GNOME Shell 3.20.2. Et au niveau de la mémoire utilisée, on est à 397 mégas. Je vais écrire un peu mieux que ça. 15 secondes, 397 mégas. Fermez le terminal. Redémarrer. Maintenant, on va passer à Plasma. Plasma Desktop, qui nous est livré en version 5.7.3 sur la Fedora 24. Donc, ici, je sélectionne Plasma et je me connecte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 secondes. C'est quand même plus rapide sur la machine réelle. Puisque j'ai la même version de KDE Plasma, je peux me permettre de le dire. Par rapport à la mémoire utilisée, on est à 356 mégas de RAM. Hop, on va redémarrer et je vais noter 356. 29 secondes. Ensuite, nous allons passer à Cinnamon.
Donc Cinnamon, sur Fedora 24, nous est livré en version 3.0.6. Bon, je vais redémarrer comme ça les machines, ce sera plus simple. Voilà. Donc Cinnamon 3.0.6. Donc, j'aurais pu prendre une machine qui démarrait plus vite quand même. Cinnamon. Donc, c'est parti. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Environ 16 secondes. Et côté mémoire, on est à 345 mégas. 345? 350? Allez, 350. C'est mon dernier mot. Après un démarrage à l'arrache, comme ça. Après tout, Linux, c'est du costaud, on peut se permettre. Donc là, on va tester Maté Desktop. Je ne sais même pas pourquoi je dis à chaque fois Maté Desktop. Maté quoi. En version 1.14.1. Qui nous est proposé sur la Fedora 24. Donc je vous ferai un petit tableau récapitulatif dans mon article de blog. Donc Maté, voilà, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on va dire 10 secondes. Sinon, on va être un peu trop gentil. On lance le terminal. H-top. Oula, il n'y en a qu'un bout. Donc 219 mégas, 220 mégas, mais attendez, il manque un bout du truc là quand même. Ouais, il manque un bout à mon Maté là. C'est que je me demande si c'est merde. Je me demande si c'est pas le truc qui gère les fenêtres là, il doit s'appeler Marco. DNF install Marco. Oui, ça doit être lui. Mes excuses, il manque un paquet. Donc je vais regarder juste un truc. Je ne l'ai pas vu en lançant Maté tout à l'heure. Pour refaire le test de performance, je vais redémarrer la machine. Je vais juste vérifier que c'est bien ça le paquet qui manque. Voilà, c'était bien Marco qui manquait. Hop, redémarrer. Je vais le noter là. Si vous voulez réinstaller le truc. Plus Marco. Vous voyez, j'ai installé juste les environnements de bureau, hein, sans les applications. Du coup, c'est léger, mais c'est vraiment pour tester l'environnement de bureau lui seul, hein, sans quelques plugins ou logiciels ou tâches de fond qui peuvent éventuellement tourner. Donc, mille excuses, on recommence. Du coup, ça mettra peut-être un peu plus de 10 secondes pour démarrer. Je ne sais pas. Voyons ça.
Voilà, je vais vérifier juste que ma T soit toujours bien là. Ok. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wow. Ah, je vais dire 10 secondes parce que franchement, si on dit 9, ça va être un peu abusé. H top. Donc là, on est guère plus gourmand que tout à l'heure quand même. On a 228 mégas. Donc, on redémarre à l'arrache. Tac. Cette fois-ci, on va tester XFCE. Donc, XFCE qui est disponible en version 4.12 sur Fedora 24. Session XFCE. Top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 secondes. Le temps que tout le bazar se lance. 9 secondes. Pour 229 mégas utilisés. Donc c'est vraiment histoire de dire que ça bouffe plus que ma T à 1 méga près. On va fermer. On va démarrer. Oh, on a vu 234 là. Je vais pas en tenir compte. Que reste-t-il? LXDE. Alors pour LXDE, je sais pas quelle version c'est de LXDE. En tout cas, le paquet LXDE Common est en version 0.99. Donc, est-ce que c'est vraiment la version de LXDE? J'en sais rien. Je m'intéresse pas trop à LXDE. Du coup, leur numéro de version, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Je vais sélectionner ici LXDE. Voilà. C'est parti. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Allez, on va dire 6 secondes. Et au niveau de la mémoire utilisée, on est à 222 mégas. Hop là. On lancera le redémarrage suivant. Tant qu'on est dans les LX quelque chose, on va prendre le successeur de LXDE, qui s'appelle LXQT, qui est disponible en version 0.10. Là, on va pouvoir comparer, à savoir si la version QT est plus légère, moins légère, plus rapide, moins rapide. Bureau LXQT. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 secondes. J'ai entendu que le petit truc se charge là, 12 secondes. Et niveau mémoire. Donc là, on va charger le Q terminal. On est à 231 mégas. Suivant. Je vais prendre l'environnement du bureau Fluxbox. Fluxbox que j'utilise sur les serveurs applicatifs du travail est disponible en version 1.3.6. Sur la Fedora 24.
Voilà. Bien sûr, ce sont les environnements de bureau qui sont non personnalisés, hein, qui sont installés et laissés dans leur personnalisation par défaut. Donc Fluxbox ici. 1, 2, 3. Voilà, 3 secondes. Ok. Vous avez pigé le truc déjà. Et niveau consommation de mémoire vive, on est à 168 mégas. On va continuer avec des box, à savoir Openbox. Openbox qui sur Fedora est disponible en version 3.6.1. Donc là, c'est même plus un environnement de bureau, hein, c'est plus un gestionnaire de fenêtres comme Fluxbox. Si on veut rester précis dans les termes. Donc pour Openbox, voilà. 1, 2, 3. 3 secondes, ok. Il n'y a pas de barre hein, dans Openbox, donc ça c'est réglé. Voilà. Et au niveau de la mémoire, on est à 177 mégas. Et nous allons tester le dernier, à savoir Awesome. Alors, je sais plus comment il s'écrit, AWSOME, qui est livré sur Fedora en version 3.5.9. Qui est un environnement de bureau ou gestionnaire de fenêtres, je ne sais pas, très léger et qui se pilote principalement au clavier. Mais lancer un terminal, ça me suffira. Après le reste, je ne pourrais pas en faire plus. Voilà. Donc, Awesome. 1, 2, 3. Donc, 3 secondes également. Pour 186 mégas. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, il reste quand même certains environnements de bureau ou gestionnaires de fenêtres que je n'ai pas testés. À savoir, Rapoison ou Red Poison, je ne sais pas. i3 et Xmonad, parce que je ne sais absolument pas comment ils fonctionnent. Et bon, ils sont très peu connus. Je vais pas m'étendre dessus. Voilà. Donc, pour résumer, sur tout ce qu'on a testé. Gnome Shell, version 3.20.2, 15 secondes au démarrage, 397 mégas de RAM. Plasma 5, en version 5.7.3, 29 secondes de démarrage, 356 mégas de RAM. Cinnamon en version 3.0.6, 16 secondes au démarrage, 350 mégas. Maté en version 1.14.1, 10 secondes, 228 mégas. XFCE en version 4.12, 9 secondes de démarrage, 229 mégas de RAM. LXDE en version 0.99 à confirmer. 6 secondes pour démarrer. 222 mégas. LXQT en version 0.10. 12 secondes pour démarrer. 231 mégas. Fluxbox en version 1.3.6. 3 secondes pour démarrer. 168 mégas. Openbox en version 3.6.1. 3 secondes pour démarrer. 177 mégas. Et pour terminer, Awesome en version 3.5.9, 3 secondes pour démarrer et 186 mégas de mémoire utilisée. Voilà. Sur ce, le test est fini. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!